à mes tontons. Moi, je suis le tonton de toutes les filles de mes sœurs. Les sœurs qui me regardent et vos enfants qui me regardent. En tout cas, la vidéo ici, c'est pour vous. La vidéo passée, Nalobayete, je vais vous montrer comment devenir riche avec les petits moyens. Chose promise, chose faite. Lelo na yena vidéo. Je sais que bato baza intéressé kaka na ba polémique, polémique, polémique. Moi aussi, j'aime la polémique. Mais à des fois, il faut aussi nous éduquer dans beaucoup de choses. Je ne veux pas voir une communauté qui reste toujours derrière. Surtout nos femmes, surtout nos mamans, nos sœurs. J'aime voir l'évolution dans la communauté. Les femmes qui entreprennent des affaires, qui sont dans les affaires. Pas travailler pour quelqu'un, tu peux faire tes propres choses. C'est ce que nous voulons voir dans nos femmes africaines, les femmes congolaises. Alors aujourd'hui, je vous ai dit, vous serez content, vous aurez de la joie dans vos yeux. Je vais vous parler des petites choses qui nous rendent pauvres. Sans se rendre compte. Lelo, Nazako Lakisabino, pourquoi on doit quitter dans la pauvreté? La première petite chose à éviter, c'est quand tu as ton salaire au bandit Kolia Liabambongo, ça, que ça, là-bas, calcul. Ce n'est pas bon, c'est ce qui tue beaucoup de foyers et l'économie de beaucoup de foyers. Un couple qui a des parents qui travaillent, mais bazako kokate kozala stable. Ezana ba makambo mike mike, eza bundokite, ce n'est pas la sorcellerie de la famille, ce n'est pas la tante qui est au village qui te fait comme ça. Non, c'est la façon de faire les choses. Numéro un, que je vais vous dire, réfléchis encore une fois, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, quand tu as quitté ton pays pour venir en Occident, le jour où tu as quitté, quel était ton projet dans la tête? Est-ce que ton projet était de saper? Ton projet était de chercher un avenir meilleur? Alors, un avenir meilleur n'est pas dans les habits. Avenir meilleur n'est pas dans des souliers. Avenir meilleur n'est pas dans la boisson. Avenir meilleur n'est pas dans des cigarettes. Et ça, les gens qui ont quitté l'Afrique, ils n'ont jamais fumé. Arrivé en Occident, ça devient leur style de vie. Ils sont devenus des fumeurs. La cigarette, la bière, tout ça c'est de l'argent. Toi, tu reçois combien par mois pour te mettre dans des dépenses pareilles? Réfléchissons un peu. Oh, no kwaza koloba, no kwaza koloba. Na koloba, parce que nazana bana, oh, bana basi, o baza, wana baza, il faut baza la eve, il faut ba di mana makambo a pauvre, to biso toza nango, il faut bana oyo ba kende, baza la bien, ba vivre bien. Que nos affaires vivent bien. Il ne faut pas que les affaires vivent plus pire que nous. Si nous avions échoué, là où nous avions échoué, nous devrons montrer les affaires comment évoluer. Nous devons montrer à nos affaires l'éducation financière. C'est ce qui est important. Des choses comme, par exemple, de la bière. Quand vous dépassez plus de 30 euros par semaine, je parle de minimum. Minimum, il y a beaucoup de gens qui dépassent plus de 60 dollars par semaine. Mais si vous dépassez, par exemple, 30 euros par semaine, dans un mois, c'est déjà 120 euros, soit 120 dollars. Ça, c'est un seul mois. Mais multipliez ça fois 12. C'est déjà à peu près 1440 euros, soit dollars, que vous avez gaspillé comme ça. Si vous mettiez cet argent-là, les 1000 dollars, si vous avez qu'à investir l'argent-là dans beaucoup de choses, les 1000 dollars-là pourra vous donner des intérêts, mais vous dépassez encore un peu, mais là. Cigarette, ce n'est pas tout le monde. Par exemple, les gens qui fument de la cigarette. Moi, si j'ai fumé à un moment, j'ai dit que je ne suis pas venu ici pour fumer. Je suis venu ici pour travailler, pour réussir. J'ai coupé la cigarette. Cigarette par semaine, il y a les gens qui ne fument pas, ils dépassent seulement 20 dollars par semaine. Les gens qui ne fument pas. Et les gens qui fument beaucoup, c'est plus de 40-50 dollars par semaine.
Et si vous multipliez le montant là par mois, et que ça la combien? Ce qui est à $50, tu l'es par mois, fois 12, cigarette et caca. Non, je n'en ai pas beaucoup par mois, non, par semaine. Tu l'es fait fois 4, c'est déjà 200. 200 fois 12, 2400, seulement pour la cigarette. On ne se rend pas compte qu'on dépasse beaucoup dans des petites choses. Ce sont des petites choses là qui nous rendent pauvres. Et puis, de là, surtout les gens qui travaillent, quand vous travaillez, est-ce que vous vous payez? Quand vous travaillez, on vous paye. Et toi aussi, le fait d'aller là-bas, c'est travailler. Qu'est-ce que tu te payes? Un monsieur, soit une dame qui travaille, par exemple, je parle toujours de minimum. Un salaire minimum de $2000 par mois. Par exemple, 2000, c'est vraiment minimum. Si tu te payes ne fût-ce que par mois, tu te payes 100 euros, $100 soit par mois, tu les mets par mois. C'est une discipline, tu dois être d'abord discipliné. Si tu veux réussir, en tout cas, je voulais, ça c'est par entre parenthèses. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois d'abord vivre une vie disciplinaire. Tu dois être discipliné et tu dois être un homme décisif, soit une femme décisive. Les gens qui ont réussi aujourd'hui ne sont pas venus seulement comme ça, commencer à travailler et réussir. Ce sont les gens qui se sont donné des disciplines. Ce sont les gens qui ont décidé, qui se sont décidés de réussir dans la vie. Ce ne sont pas les gens qui sont venus seulement pour dormir, se réveiller, d'aller sur le bien-être social. Les gens qui ont réussi dans la vie, si vous regardez, vous écoutez leurs histoires, ce sont les gens qui sont passés dans des galères économiques. Pas parce qu'ils n'ont pas voulu réjouir de leur argent, mais ils sont passés dans des galères économiques puisqu'ils voulaient réussir. Ils ont tout fait pour garder, protéger leur argent pour réussir. Mais ce qui ne se fait pas dans notre communauté. Un papa qui doit être un modèle dans la famille, un monsieur, un tonton qui doit être un modèle dans la famille, c'est lui qui est le premier dépenseur de l'argent. C'est lui qui est le premier sapeur de la famille. Pendant que les gens souffrent dans la famille, les enfants n'ont pas un avenir sûr. Mais il est là pour avec des parfums inutiles, des habits qui n'ont pas de sens. C'est lui qui est numéro un à détruire sa famille au lieu à donner une éducation financière à ses enfants, à ses filles. Il est là pour faire des tapages inutiles. C'est lui qui a des parfums, c'est lui qui se fait taper des habits, c'est lui qui est là pour se fumer, c'est lui qui est là toujours pour boire de l'alcool. Pendant que la famille, les enfants les regardent comme ça, les enfants n'ont pas l'avenir. Et quand les enfants vont devenir des vergondés dans la vie, kakaye, obana babébi, l'icolo à maman, ce n'est pas la faute de la maman, c'est toi qui as été le guide, c'est toi qui étais le modèle de la famille. Au bébé, si famille, ça, le savoir. Hein? Noko azako solo là. Je suis en train de parler. Réfléchissez mes sœurs, réfléchissez mes tantines, réfléchissez mes nièces et mes neveux, réfléchissez s'il vous plaît. Est-ce que c'est normal de vivre une vie de pauvreté en Occident? Quand vous aviez quitté le pays, vous aviez embarqué, vous êtes monté dans l'avion. Est-ce que vous êtes venu pour saper? Est-ce que vous êtes venu pour prouver aux gens que vous êtes au poteau, en Europe, en Occident? Vous êtes venu avec des objectifs. Votre objectif est d'avoir un avenir meilleur. Herba papa binoboza kobota bana, c'est pour un avenir meilleur. Et non pour vous. Avant vous allez la bana, vous êtes obligé de faire ce que vous voulez. Dès que vous avez les enfants, vous allez compter maintenant pour l'avenir des enfants. Il y a il y a des papas qui réfléchissent bien. Il y a des papas qui ont toujours fait des économies pour leurs enfants. Il faut ça chaque mois. Même avec peu de moyens, il le faut. Ceux qui le font ne sont pas riches. Ce sont les gens qui se décident de faire ça. Ils prennent des décisions. Ils acceptent de faire des choses. Parce que pour être riche, ou soit pour quitter dans la pauvreté, c'est une décision qui n'est pas facile. Puisque tu auras des télévisions à côté de toi, tu auras des meilleures voitures, tu auras de la meilleure bouffe dans des restaurants, mais c'est à toi de décider ce que tu vas faire avec ton argent. Tu veux le dépasser, c'est toi. Tu veux le protéger, tu veux le garder, c'est toi. Le choix est à toi.
Tu veux que tes enfants aient une éducation meilleure, c'est tes choix. C'est une décision. Tu veux que tes enfants soient dévergondés, il ne faut pas travailler, il faut rester dans la maison. Les jours où tes enfants vont commencer à sortir, à chercher ce qu'ils ont besoin à l'extérieur, il ne faut pas surtout condamner les enfants. Puisque les enfants, ils voient, ils imitent ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes le miroir des enfants. On a le bas quitté. Je suis en train de vous dire la vérité. Réfléchissez. Cigarette, là, ça prend beaucoup d'argent. Les gens qui fument 2 paquets par semaine, par jour, combien d'argent tu dépenses par semaine? Calcule ça par mois et puis par année, c'est combien d'argent? Même les gens qui boivent de l'alcool. Il y a beaucoup de choses que vous devrez vraiment éliminer dans votre vie. Il y a beaucoup de choses que vous devez éliminer dans votre vie. C'est pour cela que nous voyons les Congolais de la diaspora. Ils mettent, quand El Bazako Koufa, c'est des cotisations qui se font chaque jour, des cotisations dans des communautés. Pourquoi? C'est parce que les gens ne passent même pas à leur avenir. Les gens ne sont même pas capables à réfléchir sur le long terme. Bato Bazako Kanisaka Makambia, Lelo, Kilelo, Kilelo. Pendant que l'avenir nous attend, l'avenir est à cause de l'abisso. Il faut être prudent dans ma gamboza au sal. Herboye na poto, kanisa oyaki pourquoi? Objectif na ezanine. Tu n'es pas là, tu n'es pas le dieu de ta famille. Quand tu es né seul, tu n'es pas le dieu de la famille. Tu vas dire le bandou. Mais je te dis, quand tu es né, tu n'es pas né avec quelqu'un. Quand tu as traversé, tu as pris le risque de prendre l'avion. Tu n'es pas venu avec tes cousins. Tu n'es pas venu avec tes cousines. Tu es venu seul. Quand tu es là, si tu n'as rien, il ne faut pas montrer aux gens qui sont que tu as laissé derrière que tu as quelque chose. Si tu n'as rien, tu n'as rien. Il faut être franc, il faut être honnête. Tu dois travailler sur toi d'abord. Travaille sur toi. Intègre-toi, cherche le travail, même un petit travail. Ici en Occident, ça fait du bien quand tu as du travail. Ça va te donner les opportunités d'avoir des cartes de crédit. Ça va te donner des opportunités de faire beaucoup de choses. Évite, si tu n'as pas d'argent, évite aussi des cartes de crédit avec des taux de 20%. Si tu utilises 20%, tu utilises seulement 1 000 $. C'est déjà à peu près intérêt de 200 $ que tu vas donner. Il faut être prudent, malgré quand tu fais de telles choses. Il y a beaucoup d'éducation sur des choses comme ça que je vais vous donner. Je ne vais pas mélanger beaucoup de choses dans une vidéo. J'aime que vous assimilez des choses petit à petit. Aujourd'hui, je voudrais parler des choses, des dépenses inutiles. Surtout aux gens qui fument, aux gens qui prennent de la boisson, des alcooliques. Souvent, la bière, j'ai dit, parents, si vous dépassez moins les hobivers, c'est à peu près 1 000 $ par mois. Nos parents, si vous dépassez par semaine, par exemple, 30 $, celui qui dépasse moins, c'est 30 $. Moi, je suis en train de parler des minimalistes, mais les gens qui boivent plus que ça. Maintenant, imagine-toi, chaque mois, si tu as levé 120 $ de la bière par mois, 90 $, j'ai dit 100 $ de la cigarette, c'est déjà 300 $ que tu as déjà, c'est à peu près 300 $ que tu as gaspillé dans ton salaire. Pendant que tu n'as pas encore à lever l'argent de ton loyer, l'argent de nourriture, les frais de transport, si tu conduis, il y a assurance de voiture, il y a des carburants, tout ça, ça compte. Quand c'est à cause de cela que Bozako s'est limité, Bozako s'est bité dans ma difficulté financière, dans ce cas, parce que il y a des dépenses inutiles que Bozako comprend, Et là, quand les bossobos invités, il faut qu'on décide. Quand tu tiques la cigarette, quand tu tiques la massanga, c'est une décision. Bisous tout au melaka. Na melaka tant sous canette moko par semaine. Kaka moko. Une canette ça coûte peut-être 1 $ par semaine. Sur na meli moko, soit ou bien 2 semaines. Na exact décision qu'on a joué qui na tiki comme là. Soit na melaka tant sous na été une canette. Bakamana nanga ba ebitoze komela na ba ntozo ke ne ba boîte na tik na décidé que je laisse na sina tika ça me fait rien. Je suis pas né alcoolique ntokuti masanga to yekoli komela to yiko to yipe ko tika yango
On n'est pas né fumeur, on apprend à fumer. Ce qui peut décider qu'otika ou qu'otika. Mbongo wana sike ko sala nini. Ce qui peut dire qu'otika ba mbongo. Par mois, par exemple, vous avez dépassé 300 ya masanga. Masanga na cigarette za 300. Ce qui peut dire qu'otika sika mbongo wana na ba saving ya mwana. Saving ya mwana no kaka par mois 300. Oza ko sauver à venir ya mwana. Mwana wana ozala na banyongo te okende ba université. Direct à ko zwa makambo na ndenge ya bien. Babilo kwa mike mike, soye to lingi vrema bana na bisu bake nilibosu bako sala. Swati na mbongo oye, o investiri yango na makambo ebeleza ako sala. Makambo za ebele. La seule chose ke ifo kwa na discipline, pe kwa zala na decision kwa sala likambo. Soye kwa zala na discipline, pe kwa deside kwa sala, mutu nyosa zala kana posibilite. Mutu nyosa zala kapable, ezande kwa decision de to zangaka. Soye kwa zala na decision kwa sala likambo, kwa sala. Na zoe la bino lobi, ngana ko banda ko yana ngi pe ko promettre te parce que na ko loba na ko sala ka bemission na ko pese la bino bemission soki musique yena zi soki eza bwe na ko yana nga me minicho na monique parchone fona sil sa mona ko yana bino na ko yela bino na ebi ke bino bolinga ka biloko ya boete me na za na ro sala ngo parce que eza na baoba za na ngo posa ata se bazami bale misatu pona nga se instancer ke ba yoka bala ndela pe mission bala ndela pe baso bala ndela ba exemple oyo bakozala bien bakobunga ezana Gilmas noko ya bana je vous aime trop muyomba ya batoto yote salamu kwa nyinyi wote e bye à la prochaine.